Qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Je veux lui parler. Oui, vas-y. Merci. Attention, ne lui donne pas d'eau. Bravo les gars, félicitations! On a réussi, on est riche! On met les sacs dans les voitures! Fredo, mets dans l'autre voiture! Allez, c'est l'heure du dîner, monsieur Ruffin. Tu n'es pas un homme facile à trouver. Je voulais fuir le plus loin possible du monde du crime. Tu n'as pas couru assez loin. Retourne-toi. Je peux savoir combien vaut la prime sur ma tête? J'ai pas l'impression de te connaître. Qui es-tu? La dernière personne que tu verras. Allô, oui? Oui, et toi? Oui. Bon, on a dû aller voir un spécialiste. Il est dyslexique, apparemment. Je dois t'avouer que je ne sais plus quoi faire. Bah déjà, je dois m'occuper seul de deux gamins, dont un dyslexique. Puis j'ai peur que ça nous gâche la vie au petit. Ça nous a vraiment fait un choc de prendre son décès. Ça a dû être terrible pour vous. Ouais, c'était mon ami avant d'être mon équipier. À force de mettre son nez partout, il s'est retourné contre lui. Il faut savoir rester à sa place. Sans vous accuser. Où étiez-vous hier soir à 21h? Faut que je passe un coup de téléphone. Tiens donc. Excusez-moi, monsieur. Tiens. Un verre vide posé sur un meuble alors qu'il y a une table là. Oui. Et la vaisselle a été faite et les plantes ont été arrosées. Merde! On les a encore loupés! Et vous comptez faire quoi maintenant? Ils ont certainement dû laisser des indices derrière eux.